Donc, salut tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais ça remercier Sébastien Lachine-Ravani de m'avoir nominée. En fait, aussi, je voudrais m'excuser publiquement parce qu'au début, quand j'ai vu qu'il m'avait nominée, je l'ai un peu envoyé chier parce que j'avais juste lu NEC nomination. Je l'ai insulté en fait avant d'avoir écouté la vidéo. Puis j'ai vu que dans le fond, c'était une bonne action qu'il a faite. Donc, c'est ça, Seb, je m'excuse publiquement. Donc, je pense que tu peux dropper ta poursuite. Ça serait vraiment cool. Aussi, j'ai pas trop compris. Je pense que ton concept, tu voulais qu'on fasse une bonne action et boire une bière. Moi, je vais complètement boycotter la NEC nomination. Je trouve ça un peu cave. Puis aussi, probablement que ça va me prendre à peu près 3 minutes de boire ma bière. Donc, votre temps est pas mal plus précieux que ça. Je vais vous sauver ce temps-là parce que je suis fine. Puis, donc là, pour ma smart nomination, ça fait longtemps que j'y pense à faire ça. Mais bref, je suis une grosse chochotte, fait que je l'ai jamais faite. Puis là, bon, il y a la pression sociale, c'est une bonne cause, fait que on va essayer de pas te choquer. Mais ce que je voulais faire, c'est que, bon, mes cheveux sont vraiment rendus longs. Si on voit, ils sont arrivés aux fesses pas mal. Puis là, j'étais due pour les faire couper. Puis tant qu'à ça, je me suis dit, bon, que j'allais faire un don de mes cheveux. Donc, c'est la compagnie Pantene pour les produits de cheveux qui a eu cette initiative-là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ramassent plein de dons de cheveux de femmes qui les font couper, puis d'hommes aussi. Ce qu'ils font, c'est qu'ils assemblent tous ces cheveux-là, ils font des perruques, puis ils les offrent gratuitement à des femmes qui sont atteintes de cancer, puis qui ont dû subir une chimio, puis qui ont perdu leurs cheveux. Donc, ce que je vais faire, c'est que. Puis ils doivent aussi couper 8 pouces de mes cheveux, qui est quand même long, c'est à peu près ça, je vous dirais, ouais. C'est assez long. Puis. Ouais, je voulais dire. C'est assez long. Bon. Je suis un vrai paquet de nerfs en ce moment parce que, bon, premièrement, je me fais couper beaucoup de cheveux, j'aime pas ça. Puis, j'ai comme peur des coiffeurs. Ça fait longtemps, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis pas fait couper les cheveux depuis longtemps. J'ai peur des coiffeurs parce qu'à chaque fois que j'y vais, c'est laid. Fait qu'on espère cette fois-ci que ça va être pas pire. Puis, dans le fond, comme ma mère m'a dit, je peux pas être plus laide que je le suis déjà. Donc, bon, c'était une blague, mais bon. Puis, en passant, c'est la fête à ma mère demain, donc j'aimerais vraiment ça lui souhaiter une belle fête. Bonne fête, maman, je t'aime. Et merci de toujours être là pour moi. Donc, on va y aller parce que je vais te choquer. J'ai vraiment peur. No, you won't. Until you try. Ok, donc c'est fait. Voilà, finalement, j'ai été courageuse. Puis je me suis dit que tant qu'à en donner, on s'est gâté, j'ai donné 12 pouces pour faire une preuve à la pluie. 12 pouces, c'est une règle. C'est l'équivalent d'une règle. Il reste juste à aller poster ça. Puis il y a du monde au bureau de poste, on m'entend. En attendant, je voudrais juste remercier Félix La Victoire d'être venu au coiffeur avec moi. Puis de m'avoir enduré, même si j'étais un tant qu'à nerf, excusez les mots. Puis aussi ma soeur Pascale qui est là en train de me filmer. Merci soeur. De rien soeur. Donc, j'en profite pour nominer des gens. Je vais passer la boc. Donc premièrement, je vais nominer Erika Bouchard parce que je m'ennuie vraiment beaucoup d'elle. Puis ça a l'air que la seule façon que je peux l'avoir en ce moment, c'est par vidéo. Yvan Lee aussi pour la même raison. Puis, je vais nominer. Je sais pas qui nominer. Laura Camus, parce que je suis sûre que ça va être bien drôle et qu'elle va faire quelque chose d'original. On va passer ça immédiatement. Ouais, merci bien, bonne fin de journée.